quand je joue, j'aime donner au fond de moi. Et des fois, c'est le public qui t'aide à faire ça pour sortir ce qui est en moi vraiment. Parce que quand je suis sur scène, pour me connaître vraiment, il faut me trouver sur scène. Parce que je suis une personne très sensible et c'est la musique qui m'aide à sortir ce qui est en moi. Ne pouvait pas parler Wolof, mais bon, on a essayé de participer en tapant des mains, c'est déjà pas mal, non? C'était pour ça, et chaque début de morceau, j'explique le thème du morceau, parce que on me dit toujours pourquoi tu chantes pas en français. Je dis non, parce que ce que je chante, je veux le ressentir, et pour le ressentir, c'est ma langue maternelle qui peut m'aider pour faire ça. C'est pour ça, des fois, j'essaie de laisser un peu de refrain en français dedans, sur certains morceaux, et... C'est ça, et j'étais tellement content du public, bien qu'ils ne comprenaient pas tellement, qu'ils ne comprennent pas le Wolof, mais ils ont participé, quoi. C'est sûr. Ouais, mais la musique, ça parle, même si la musique est internationale, de toute façon. C'est international, même si tu ne comprends pas la langue, il y a plein de gens qui jouent. Ali Farketou a été connu partout dans le monde et il a toujours chanté dans des langues du Mali. C'est sûr. Donc, comme d'autres, plein de chanteurs, ils chantent toujours sur le langue maternelle, c'est très important. Avant tout, mais je peux dire depuis que je suis né, la life, j'ai démarré dans le théâtre au Sénégal depuis l'école primaire, depuis les collèges, j'ai appris à chanter. Tu as pris le biberon et tu as chanté en même temps, quoi. Chez moi, et chez nous, chanter ça fait partie de notre vie. Qui connaît un Africain, l'Africain, chanter ça fait partie de sa vie. Mm-hmm. Chez moi ici, quand je me réveille, si je bosse pas, du matin au soir, j'ai la guitare à la main, je chante parce que j'aime chanter. Tout ce que je pense, tous mes combats, je le traduis en chanson. Afrique, Afrique mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savoirs ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je n'étais jamais connu mes mots à peine pensant. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Africain! Est-ce qu'on peut retrouver tes albums ou des choses sur le net ou autre? Non, là j'ai pas encore sorti d'album. J'ai participé dans des albums, on m'a invité sur des albums. Mais là. On est en studio depuis 2 ans, on prépare pour le sort de l'album, on ne se précipite pas. Donc comme on fait une musique qui est très mélangée, donc on ne se précipite pas, on le bosse bien, on veut sortir un truc bien cuit. Bien cuit, bien, avec beaucoup d'épices. Avec beaucoup d'épices, oui, comme en tant qu'Africain. Tu es un
habitué de l'afropéenne style, hein, ouais, la famille ouais. afropéenne quand même. Ouais, je suis toujours là parce que c'est une belle famille. Chaque lundi quand je bosse pas le mardi, je suis là. Sinon on fait nuit blanche, c'est pas grave. Ouais, je suis là jusqu'à 4h du matin, chaque lundi. Que du bonheur en tout cas. Que du bonheur, sincèrement. Afropéenne, big up. Big up, big up, big up à Afropéenne. Big up à cette jam. Big up. C'est des rares jams que je trouve à Paris. Moi, je fais beaucoup de jams. Ouais. J'aime les jams, je fais beaucoup de jams. Mais c'est le jam que je ne rate pas. Sincèrement, le jam d'Afropéenne, je ne le rate pas. Sur une chanson pour les enfants. Il y a un phénomène qui est au Sénégal, parce que je suis d'originaire du Sénégal aussi, qui est donc les enfants talibés. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est à la caméra, ce que c'est, qu'est-ce que sont ces enfants, voilà. Tu sais, au Sénégal, comme moi, comme plein d'autres enfants, quand j'étais petit, je suis né, j'ai eu 3 ans, on m'a amené à l'école coranique dans mon quartier. Là, tu vas apprendre le Coran, tu rentres chez toi parce qu'on est musulman, la majeure partie. Mais il y a d'autres, ils prennent leurs enfants, ils les amènent ailleurs, dans un village par exemple, ils les laissent là-bas. Ils n'entretiennent pas leurs enfants et le marabout qui les apprend, le Coran, il est obligé de les faire demander de l'argent dehors à manger parce que tu as 100 petits, tu peux pas les nourrir. C'est un phénomène qu'on parle au Sénégal, ça fait des années et des années, mais jusqu'à présent, ils ne trouvent pas un moyen pour enlever ça. Mais il y a d'autres gens qui ont des moyens, ils amènent leurs enfants dans des écoles coraniques internes. Actuellement au Sénégal, il y a 15 ans, il y a beaucoup de ce genre d'écoles internes qu'on a ouvertes. Et ce que je parle, je ne parle pas seulement à cause des écoles coraniques, hein. Ouais. Quand tu vas dans d'autres pays, au Zaïre, dans d'autres pays, au Togo, au Rwanda, il y a des enfants qui sont des enfants soldats. Aussi, il y a un parent qui a son enfant, il l'entretient pas bien. Ici en France même, ça existe. Je vois les enfants, des fois moi je suis énervé. Ce morceau-là, je l'ai écrit sur moi-même, je l'ai écrit à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44. C'était dans ma famille, les frères de mon père qui vont. Tu fais un petit truc, ils te tapent ou ils te grondent et ils ne savent pas que l'enfant, bien que son cerveau ne va pas loin, son regard ne va pas loin, ses oreilles ne vont pas loin, mais il comprend. Quand tu fais un truc mal, il le tient dans son cœur. Il y a des gens qui m'ont fait du mal quand j'étais petit. Wallah, jusqu'à présent là. C'est resté là. Donc, ça reste dans la chair en fait, on grandit avec. On grandit avec. Donc l'enfant, il faut le guider. Il faut le guider, il faut, parce qu'il ne comprend pas beaucoup. Quand il grandit avec du positif, il est positif. Il faut l'écouter. Ouais. Parce qu'il réfléchit, des fois il est dans son coin, il pense. Parce que ça me rappelle mon enfance, moi. Tout ce que tu me faisais, ça restait dans ma tête. Si c'était du positif, ça reste. Si c'était du négatif, ça restait. Et tout ce qui est en toi aujourd'hui, tu le ressens en chanson. Ouais, je le ressens en chanson. Et aujourd'hui, je n'ai pas regretté l'éducation de mon père. Big up à mon papa, qui m'a donné une très belle éducation, et ma maman, que je n'ai pas regretté. C'était des personnes, sincèrement, c'est pour cela des fois je fais cet hommage pour les femmes. Oui. Quand je fais l'hommage pour ma femme, je fais hommage aussi pour mon père parce qu'il m'a choisi une bonne maman. C'est beau. Ouais, hommage à toute la famille. Ouais, hommage à toute la famille. Bien. Ça
Saïsaï par les Sénégalais. Alors, juste une petite explication. Saïsaï, ça veut dire coureur de jupons en wolof. Je sais, coureur de jupons, mais ça peut aussi être pris dans un sens plus, comment dire, plus subtil. D'accord, d'accord. En tant que musicien, les Saïsaï, c'est celui qui jouera, qui trouvera les petits trucs. Là, tu vas courir en fait après les sons, après les rythmiques, après les sons ça et les rythmiques, voilà. D'accord, c'est aussi sexy qu'une fille en même temps. Si on veut, voilà. Si on veut, non, c'est vrai, c'est aussi sexy qu'une fille, la musique. Donc, je suis à Paris depuis 3 ans et je suis monté pour la musique. J'ai découvert à Paris la musique africaine. Je suis tombé amoureux. Ça fait 3 ans que je tourne avec pas mal de groupes de musique africaine. Je joue avec des musiciens qui venaient de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun. Je viens du Sénégal, j'ai été dans un groupe qui s'appelle Rala de Dakar, ouais. Où on a gagné des trophées. Arrivé en France, j'ai joué dans l'album de Paris Série, l'album Voyage, avec, je ne sais pas si je peux citer la maison de disques. Oh, la maison de disques. Ah oui, Amy Music. Depuis, je joue avec pas mal de chanteurs. D'accord. Que ce soit africain ou. Voilà. C'est la première fois que je viens ici pour les diables et c'est bien, j'ai bien aimé. C'est bien. Hein. Isn't it? Perfect. Yeah. This is Josh Holcomb, is our trombone. Bonjour! Hey, Joshua! He plays trombone. And he also plays sousaphone. Big guy. Hey. Sousaphone, sousaphone, voilà. This is Evan Palazzo, he is our piano player and band leader. Bonsoir, Paris! Voilà. This is Fast Eddie Francisco. Oh, happy feet! Who tap dances. Le pied!
Joyeux. Les pieds magiques. Magique. C'est absolument fabuleux. Comment ça se fait? Je suis née à Paris, mais j'habite New York. D'accord. Voilà. And I am Miss Elizabeth. Thank you. And Evan and I put the band together a couple of years ago. Wow. And this is our first time. This weekend was our first time ever playing in Paris, yeah. And it has been such a pleasure to be here to play. Thank you. It was stems from gospel, and then it all evolved from there. Yeah, I think it's a combination of Africa, Europe, and Ireland, and Jews all coming together, and that's what happens. English folk music. New Orleans and in New York is where it all comes together, and it's like a happy accident of music mixing. Yeah, that's why. But it's 100 years old, and what we try to do is show how it's still fun today when it's not presented as a museum piece. It's presented for real. Oh, because it's, not dry, it's not old. It is old because the songs are old and the style is old, but the music is a very living, dynamic thing, you know. It's reinvented every time we play it. We don't play with guitars. Some fresh faces. It's fun. We play it kind of differently every time. The fun of it, I think, is just getting in there and then rolling around with it. And improvisational, that's a very key, because everything is not written out. There's no music, you know. We just know the song and we have ideas and a general way of doing it, but every time it's totally different. De retour parce que j'ai un peu souffert. T'as souffert? Ouais, bon, j'avoue, je t'ai laissé un peu en galère aussi. Voilà, tu vois. Là, je me suis dit, bon, je vais venir, mais je prends pas l'appareil, juste histoire de voir l'ambiance un peu tranquille. Ouais. Voilà, mais bon. Voilà. Sinon, je reviens et je vois que mes tableaux, ils sont toujours là, toujours pas vendus. Donc, oui, effectivement, il voilà. Y a une expo au Cariatide depuis maintenant juin. Voilà. Donc des tableaux qu'on voit juste derrière Wallace, voilà. Des photos de Wallace, voilà. Donc elles sont en vente. Donc voilà. Pas très cher, et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, les tableaux sont là, ils n'attendent que vous. Voilà. Venez faire un tour au Cariatide. Venez faire un tour, venez kiffer la vibe. 3 rue Palestro. Voilà. 3 rue Palestro, venez voir les beaux tableaux. Just listen to the story. Je t'ai aimé froide, je t'ai aimé indifférente, je t'ai aimé chaude et moite, et grande, et lancée, et ta chaîne roule et flouée, t'es mon
C'est ça. C'est une auteure, une parleuse. Avec Tis Rodriguez, avec François Constantin et François Faure et Sébastien Levana, avec des duos avec des chanteuses Faustine, Cresson, Virginia Constantine, voilà, au Club L'Étage, 77 rue du Faubourg du Temps, dans le 10e et le 3 Montier, le mercredi 19 septembre, à 20h, et c'est 5 euros l'entrée, vous pouvez manger là-bas, boire et danser, voilà, faire la fête, et c'est du slam avec de la musique jazz, funk. Et le plaisir de te voir. Surtout que je me transforme, je deviens très très belle et très goûteuse. Elle a dit je deviens très très belle, mais tu l'es déjà un peu. Non mais elle, quand ça même. Va être encore pire quoi, niveau beauté ça va exploser les compteurs quoi. Ah bon. Mais parle-moi un peu de toi, de ton parcours et comment ça se fait que tu tripes avec les mecs du Baiser Salut, comment ça s'est arrivé. Ben en fait moi mon parcours c'est que j'ai commencé à écrire avec juste l'envie comme ça de raconter des histoires, et à l'époque je faisais ça avec des musiciens de blues musique, et puis ensuite j'ai été invitée à New York City à faire mes poèmes au Broadway Poetry Club, et là-bas j'ai rencontré les scènes slam en fait curieusement à New York, et puis quand je suis revenue à Paris j'ai fait et à Paris ça se passe, et donc j'ai commencé à aller de scène en scène à Paris, au Downtown notamment qui est une super scène slam, et puis la musique m'a manqué et j'adore, voilà, je suis tombée amoureuse du jazz, je suis allée au Baiser Salé et j'ai fait est-ce que je pourrais faire ma poésie avec vous s'il vous plaît, ils ont dit bah vas-y commande, viens avec nous. Bon,